Allez, c'est parti pour ce choc de la 8e journée. Le premier ballon est dans les mains de Marine Johannes, dans les mains de Lyon. Regardez qui défend sur elle directement, Sarah Michel en mission. Ouais, excellente dans ce domaine, Sarah Michel qui ne lâche jamais son adversaire. Oh, et l'interception tout de suite. Et les voici. Le coin, tranquille, voilà, voilà comment ça peut réveiller le Prado aussi. Que Elena Siak puisse aller au panier. En tout cas, d'avoir le ballon très bien défendu de la part de Gabby Williams. Ben Anderson qui ressort. Andy Williams. Elle est chaude, vous dites qu'elle n'est pas à 100%, heureusement, hein, j'ai envie de dire. Sur la coupe, justement. Et regardez, magnifique, hein. Yvonne Anderson la qui fixation. Pénètre. Et de haut, belle passe pour Alexia Chartereau, mais encore une. Et oui, elle va provoquer le N1. Magnifique Alexia Chartereau qui résiste. Ce début de match, elle qui fait une excellente saison. Cette vitesse, ce décalage pour Gabby Williams. Et voilà, magnifique. Ça rentre. Et voilà. Ce début de rencontre. Allez, Johannes. Ah oui, ben là, si on la laisse comme ça, on va le prendre, c'est sûr. Et là, ça rentre. Elle avait. Là aussi, ça discute, ça parle pas assez. Un excellent début de saison. Allez, et encore Johannes. Le shoot de Johannes, là. Par contre, elle a pris feu, attention. Ça fait plaisir de la revoir sur un terrain aussi. Elle s'est blessée au genou. Hein. Forte. Ouais, elle est en train de montrer les choses. Elle était passée à côté. Et tout de suite, ça répond avec Laetitia Guapo. Et oui, Elena Siak qui a joué à Bourges aussi. Hein. Deux saisons. Et le N1, tranquillement, pour Anderson. 4,1 rebonds et 3,6 passes en championnat, mais c'est surtout en Euroleague qu'elle cartonne avec 18. Alix Duché qui va remonter ce ballon. Sarah Michel, bien Sarah sûr, Michel à 3 points. À 3 points, et oui, ça rentre. Mais Gabby Williams, elle est capable de faire ce genre d'action, et la puissance d'Alexia Chartereau. Enfin, elle sait faire beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Julie Allemand. La coupe. Ah, il y avait la coupe de curiosité. Et là, elle est toute seule. Et le 3 points tranquillement. Vous avez vu la bonne patience. Le ballon arrive en bout de chaîne sur l'Espagnol Quevedo. Il n'y a plus de temps. Donc vous êtes obligé de prendre le shoot rapidement. On finit comme ça le premier carton. Et ouais, un premier carton à l'avantage des Lyonnaises. 24-21 avec cette ultime shoot à 3 points. C'est plus simple. Voilà, juste je citais. Avec Sarah Michel qui ne lâche pas. Et ouais, là, pas d'un cheveu. L'écran est bon. Regardez, l'écran est bon, ça crée shoot. Le petit décalage. Et le talent de Marine Johannes. Ouais. Prend la faute. Mais là, regardez. C'est le petit écran là. D'Enacia qui permet d'avoir ce shoot. De mécontentement de ne pas l'avoir. Ah ben et voilà. Là aussi, c'est bien joué ça. C'est une bonne lecture pour Alex Duché. Regardez. Et le beau relais. Et là, elle est toute seule. Ouais. Elle est toute seule. Elle a même le temps de poser des dribbles. C'est Michel. Oh là. Berga qui a failli perdre le ballon, elle va prendre ce shoot quand même. Ah, eh ben oui, bien sûr. Elle est à la fête pour elle, tranquillement au tir au pigeon, pardon, Steinberga. Là. Kivedo, qui arrive à passer. Bien joué ça. Ça c'est bien joué. Et Elena Siak. Oh là là. Oh là là. L'écran, la lecture, la vitesse. Oh le vent. Gabby Williams a pris un vent par Yvonne Anderson sur le démarrage. Bien à trouver les bonnes positions. Anderson qui préfère pénétrer, ressort sur Elodie Godin à 2 points. C'est son shoot, il est difficile à contrer en plus. Guapo, c'est compliqué, préfère ressortir. Oula. Mais il restait. Oh Yvonne Anderson, la magicienne, qu'est-ce qu'elle vient de nous faire là. Impressionnante cette joueuse. Et Quevedo qui lui répond. Je peux vous dire que celui-là, par contre, il fait beaucoup de bien. Allez, 3 secondes. Alix Duché. Ça chute compliqué aussi. Oh, oh. Eh non, ça ne rentrera pas. La fin de cette première période et Bourges vire en tête. 6 points d'avance pour les Tangos. Et voilà, cette deuxième mi-temps qui va démarrer au Prado. C'est parti, la remise en jeu de Sarah Michel et le ballon dans les mains d'Yvonne Anderson. On l'a vu, elle peut être dangereuse, on l'a vu sur 2-3 actions quand même. Oh, comme magnifique. Même, voilà. Il suffit de le dire, regardez cette capacité à faire les passes. Ah. Regardez, allez, 3 contre 2. Sarah Michel, ouverte. Ouais. Par contre, Sarah Michel, quand elle est comme ça sur le jeu de transition, c'est rarement à côté. Ça va vite. Ah, 7 points, pardon. En première intention. Oh, Johannes la qui fait Johannes. Mais elle va se battre pour être au rebond, l'interception. C'est Pauline Astier qui intercepte ce ballon et qui va envoyer Yvonne Anderson finir tranquillement en lay-up. Laetitia Guapo. Elle va prendre ce shoot. Qu'est-ce qu'il est tendu ah ce ouais, shoot c'est... Non, non, il est bel et bien à 2 ce shoot. Quevedo. Et encore une fois.
elles donnent de leur personne, regardez. Alors là, c'est le jeu de passe, il est magnifique. La passe de Chartereau, possession importante. Pique the picker. Saint-Jouanès. Et Duché, le spécial. Oh, Duché face à Quevedo. Petit Godin, magnifique. Bien joué encore une fois. Parce que ça distribue bien. Eh oui. Et voilà, Etienne Wapo, vous en parliez. Ouais. Et 9 points. Oh là là, le gros shoot aussi. Pour répondre au repli défensif, ouais. Là, il faut en profiter du côté de Lyon. Marine Johannes, exceptionnelle. Oh, qu'est-ce qu'elle nous a fait? C'est quoi cette passe, Fred? Pauline Astier qui va essayer de se jouer d'Alexia Chartereau. En vitesse, mais Chartereau qui passe bien. Et là, Alexander, ça fait deux fois. Deux actions. Ce troisième carton, alors qu'on revoit. Il me semble. Donc l'objectif de cette saison, c'est évidemment d'aller au bout. Et pour l'instant, Bourget sur un nuage et Yvonne Anderson permet à cette équipe de reprendre 11 points d'avance. Allez, Julie Allemand. Un ballon pour revenir à 4 points. Ouais. Allez, Marine Johannes. Voilà. Eh bien oui. Exactement, 4 points. Ça relance complètement le match. Il reste 6 minutes 20. Non, 2 points. Et elle est passée, hein, Julie Allemand. Oh là là, mais quelle défense de Godin. Elle est Guapo, ben là ouais, elle va y aller, Laetitia Guapo. Anderson, oh là là, mais comment elle arrive vite, à passer? Elle est inarrêtable. Voilà la vitesse d'Yvonne Anderson encore. Ouais, il va aller marquer les 2 points. Vous parlez de Money Time. Bon. Et voilà, ce match se termine et c'est la sensation au Prado. Bourges stoppe l'invincibilité de l'Asvel en signant une victoire de prestige, plus 11. Et là on va profiter, regardez, de ces belles images, le clapping